Eh bien, le bonjour à toutes et à tous, et encore une fois, bienvenue sur la chaîne de ProGeek. Alors, aujourd'hui, on va parler de Google Chrome, et surtout des extensions de Google Chrome en question. Donc, bien sûr, tout le monde connaît les extensions qu'on peut télécharger, genre Adblock, pour ceux qui connaissent, qui permet de bloquer les pubs au niveau du navigateur, et ainsi de suite. Donc, vous avez bien sûr plusieurs, on va dire, extensions possibles à télécharger et à installer. Et donc, on va parler aujourd'hui des extensions en question, c'est-à-dire que dans le cas, bien sûr, où particulièrement vous désinstallez votre navigateur ou vous formatez votre ordinateur, bien sûr, par la suite, vous réinstallez Google Chrome, comment pouvoir réintégrer vos comment dirais-je extensions au niveau de votre navigateur une nouvelle fois, on va dire sans commencer à les chercher. Bien sûr, la manière la plus simple que je vous propose, c'est de pouvoir télécharger ces extensions au niveau de votre ordinateur. Et c'est le but de cette vidéo en question. Donc, comment faire? C'est pas compliqué. Voilà, donc il suffit d'aller sur la partie extension. Pour ceux qui savent pas, bien sûr, pouvoir le faire, il suffit d'écrire extension, voilà, donc Chrome, par exemple. Voilà, donc voilà, extension Chrome, et il suffit d'aller dessus directement. Donc, ça vous remet encore une fois sur la page en question. Donc, comment faire pour télécharger, et bien sûr, également, comment remettre ce qu'on a téléchargé sur Google Chrome. Donc c'est tout à fait simple. Donc quand vous êtes bien sûr sur Google Chrome ou le Chrome Web Store en question, il suffit soit voilà, vous cherchez ce que vous souhaitez, ou sinon par exemple nous on va prendre ce qui est déjà, on va dire, en premier lieu. Donc, par exemple, on va faire extension Google Keep. Alors, donc il suffit de cliquer dessus. Donc du moment que vous avez cette fenêtre qui apparaît pour bien sûr l'ajouter sur Chrome. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le lien qui va s'afficher tout en haut. On le copie et on va aller sur le site Chrome Extension Downloader. Il suffit de coller le lien et de pouvoir télécharger. Alors, donc comme j'avais ouvert déjà en fait le site, alors la session a expiré, on va actualiser et on va réessayer. Si ça vaut bien. À titre d'information, vous avez bien sûr déjà plusieurs applications que vous pouvez avoir sur le site, qui sont déjà proposées, que vous pouvez télécharger directement. Ou sinon, bien sûr, par exemple, nous, on a demandé de le télécharger. Donc voilà, on clique sur téléchargement dans l'autre extension et on enregistre. Et voilà, donc commence le téléchargement. Normalement, c'est des extensions qui sont rapides à télécharger. Celui-ci, il est un petit peu volumineux, 2 mégas 3. Donc voilà. Et on va bien sûr le trouver sur notre partie téléchargement. Donc, comment pouvoir remettre à présent? Donc voilà. Donc du moment qu'il est téléchargé, il est sur notre ordinateur. Bien sûr, vous mettrez par exemple un dossier sur lequel vous aurez toutes les extensions que vous avez l'habitude de mettre. Comme ça, bien sûr, il suffit juste de les mettre par la suite au niveau de votre navigateur. Après, bien sûr, comme on a dit, par exemple, réinstallation ou formatage de l'ordi. Et donc, pour pouvoir remettre les extensions directement, il suffit d'aller sur, bien sûr, les trois petits tirets qui sont en haut à droite, hein, de Google. Donc sur plus d'outils, puis sur extension. Donc là, je suis sur la partie extension. Après, on repart sur le dossier ou voilà, s'il est sur le bureau, on le sélectionne, on le glisse et voilà. Donc vous voyez, ça me demande directement de l'installer. Et voilà, il est déjà installé. Donc c'est pas compliqué. Et voilà, donc c'est une manière simple à faire. J'espère que ça va vous être utile, bien sûr. Petite dernière chose,
C'est dans le cas surtout où vous n'avez pas en fait mis votre on va dire votre mail Google comme on va dire mail de récupération parce que si vous avez votre accès à Google Chrome avec votre messagerie, eh bien automatiquement vos contacts plutôt vos favoris et vos extensions sont automatiquement remis après bien sûr reconnexion. Mais ceux qui n'ont pas en fait la possibilité ou ils n'ont pas en fait une adresse Gmail ou ils n'utilisent pas l'adresse Gmail, ils préfèrent pas le faire, eh ben c'est la manière qui permet de remettre voilà vos extensions après bien sûr récupération de votre navigateur sur votre ordinateur ou à la rigueur voilà vous le mettez dans une clé vous partez ailleurs voilà ou sur un autre ordinateur vous pouvez également les ajouter. N'hésitez pas de mentionner votre avis, n'hésitez pas de mettre un commentaire concernant la vidéo si ça vous a plu ou pas, et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée.